Alors on défait tout d'abord les différents boulons, différentes vis, pardon. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tout du torque de 25. On a un premier couvercle ici. À l'intérieur se trouve la partie électronique qui est défectueuse. Il reste encore ici 1, 2, 3. Et donc on voit ici qu'il y a 4 câbles. Donc il y a 2 gros et 2 fins. Donc 2 gros, 2 fins. Alors ici les 2 gros, il faut couper un court, un long. Et le fin, il faut couper un court, un long. Comme ça, on ne sait jamais se tromper. Alors on fait bien attention une fois qu'on a enlevé le couvercle. Tout doucement, et à l'intérieur on a une petite nappe où se trouve le capteur de rotation d'arbre de la pompe, et on y voit bien qu'il y a 2 torques de 10. Une fois qu'on a défait ces 2 torques de 10, bien faire attention qu'ils bien sûr ne tombent pas à l'intérieur, et puis voilà, on a la pièce en main. Et lors du remontage, il faut évidemment bien fixer les vis et bien le capteur dans le bon sens sans arracher la nappe qui est extrêmement fragile. Une fois qu'on a placé ce capteur, il faut remplir la cavité de mazout à ras-bord pour éviter qu'elle tourne à sec. Voilà, tout simplement. Pompe VP44, Ford Transit, BM, Audi, enfin c'est tous la même chose.